Bonsoir. Le 2 décembre 2020, alors qu'il coupait du bois avec son frère près de chez lui, Morgan Keane est abattu d'une balle. Un chasseur l'a confondu avec un sanglier. Aujourd'hui, l'auteur du tir mortel ainsi que le responsable de battue de l'époque comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Cahors. 6 mois de prison ferme ont été requis. Mais au-delà de ce drame et de ce procès, comment faire cohabiter chasseurs et non-chasseurs dans notre région où ce loisir est plus qu'une tradition? On en débat ce soir avec mes invités. Maryse Carrère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice des Hautes-Pyrénées. Suite à la pétition du collectif Un jour un chasseur, qui avait recueilli plus de 120 000 signatures en novembre 2021, le Sénat a créé une mission de contrôle que vous avez présidée. Également avec nous un chasseur, Jean-Pierre Sanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération régionale des chasseurs. Enfin, un autre usager des espaces naturels, Jacob Legros, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du comité régional d'équitation en Occitanie. Alors avant d'ouvrir la discussion, je vous propose de voir qui sont nos chasseurs en Occitanie. Que chassent-ils? Comment? C'est l'info en face, signée cette semaine, Karine Pellat. En France, on compte aujourd'hui un peu plus d'un million de titulaires d'un permis de chasse. Et l'Occitanie n'est pas en reste, c'est même la deuxième région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine avec 114 000 chasseurs. Dans notre région, le nombre de chasseurs est passé de 138 000 en 2018 à 114 000 en 2022. Une petite érosion qui serait due à l'épidémie de Covid. Le département qui arrive en tête, avant ou après le Covid, c'est l'Hérault, avec 19 500 chasseurs. Des chasseurs, oui, car le chasseur est un homme. À 97,5%, c'est vrai, en Occitanie, comme partout en France. Là où la Fédération régionale de chasse se démarque, c'est qu'elle a sorti un livret pour attirer plus de femmes. Le guide de la future chasseresse. Mais bon, pour l'instant, elles ne sont que 2,5%. C'est donc un homme, actif le plus souvent, et il a plus de 55 ans, dans 53% des cas. Mais toutes les tranches d'âge sont représentées, de 16 ans, 15 si on a un parrain, à plus de 80 ans. On peut dire que les chasseurs d'Occitanie se divisent en deux groupes. La première moitié a moins de 55 ans, la deuxième moitié à plus de 55 ans. Avec sa grande diversité de milieux, on peut quasiment tout chasser en Occitanie. Grand gibier, gibier de plaine, gibier d'eau, oiseaux migrateurs. Mais l'espèce préférée des chasseurs en Occitanie ces dernières années, c'est le sanglier. Il prolifère tellement que la chasse qui y est consacrée a été plusieurs fois avancée. Pas pour faire plaisir aux chasseurs, mais pour protéger les cultures. Alors, Maryse Carrère, une des premières préconisations de votre rapport, c'est tendre vers le zéro accident. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours une part de malchance ou d'erreur? Bien sûr, le risque zéro, il est compliqué à atteindre, je l'entends. Mais pourtant, c'est la culture qui doit aujourd'hui prévaloir à la chasse. Et tendre vers ce risque zéro, il y a des pays qui y arrivent dans des conditions différentes d'exercice de la pratique. Hein. Ça, il faut le savoir. Mmh. Mais le tendre vers ce risque zéro, avoir tout le temps à l'esprit, quand on parle à chasse, ce risque zéro d'accident est important. C'est quelque chose qui est envisageable pour vous, Jean-Pierre Sanson, le zéro accident? Eh bien, écoutez, c'est ce qui est de toute façon recherché. Hein. Toutes les fédérations sont concernées par cette sécurité. C'est leur sujet prioritaire. Et améliorer la sécurité, bien sûr, c'est un travail au quotidien. C'est un travail permanent, hein, un travail de formation, c'est un travail de pédagogie au travers, envers donc, tous nos sociétaires. On va aller voir justement un peu plus dans le détail comment ça se passe. Pour finir le tour de table, Jacob Legros, quand vous vous baladez, vous êtes un peu inquiet quand même ou pas en forêt? Vous faites gaffe, vous surveillez? Ça dépend des périodes, hein, ça dépend des jours. Mais c'est vrai qu'on prend toujours un peu des précautions de savoir si autour des centres équestres, des battues sont organisées. Alors c'est vrai qu'il y a eu des progrès de ce côté-là, puisque les battues sont bien prévenues maintenant, elles sont bien signalées. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident, en tout cas avec la manière dont nous abordons
l'extérieur avec nos pratiquants. Est-ce que partager le calendrier serait quelque chose d'envisageable, Maryse Carrère? Nous, ce n'est pas une option que nous avons retenue dans notre mission. Pourquoi? Parce que en étudiant et en ayant toutes les auditions que l'on a pu avoir, et notamment avec les pratiquants de sport de nature, on nous a dit que ce n'était pas quelque chose d'envisageable. Parce que partager l'espace et partager le temps, ça veut dire qu'à un certain moment, on interdit la chasse certains jours. Mais le lendemain, on peut peut-être aussi interdire les chevaux, parce que les chevaux peuvent aussi déranger les vététistes. Un autre jour, c'est les vététistes qui sont interdits. Non, c'est, nous, on a préféré parler de cohabitation. Et c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité aller vers un jour sans chasse, ce qui a été fortement demandé. Et en sachant que déjà, dans notre pays, il y a des départements où il y a des jours sans chasse. Ce qu'il faut, il faut le faire savoir aujourd'hui aux pratiquants de la nature. Mais aujourd'hui, vous avez des chasses, les forêts domaniales en Île-de-France ne sont pas chassées le samedi et le dimanche. Voilà, donc ça existe déjà. Un jour sans chasse, ça vous paraît envisageable ou pas du tout, Jean-Pierre Sanson? Comme le dit Madame la sénatrice, donc on n'y est bien sûr pas très favorable, hein, puisque chaque département a ses spécificités. Hein. Après, quand on parle de partage... Partage de l'espace. Avant, il faut peut-être se connaître. Vous dialoguez entre vous? Oui, je pense que c'est là que les solutions peuvent se trouver, c'est dans le dialogue. Plutôt que de laisser les autres parler pour nous, c'est que nous, on arrive à se parler et puis à se connaître, parce qu'on discutait tout à l'heure avant l'émission, bien sûr, et que la chasse, elle est déclinée comme l'équitation et comme certainement d'autres disciplines. Loisir, oui. Il y a la fédération nationale, il y a les comités régionaux et puis les comités départementaux pour l'équitation. Et en discutant, je me suis aperçu que c'était le même schéma pour la chasse. Donc il faut qu'on dialogue, il ne faut pas laisser les autres parler pour nous. Une démarche a été engagée d'ailleurs au niveau de la Fédération nationale avec l'Alliance des sports et de nature, hein, qui regroupe tout un tas d'associations, hein, dont les fédérations hippiques. Donc, le dialogue a été engagé et je pense qu'on peut trouver effectivement des solutions. Elle est là la solution, Maryse Carrère, parce que vous l'avez mis à développer les outils de dialogue entre les chasseurs et les autres acteurs de la nature. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on a besoin de dialoguer sur les territoires, parce que comme vous l'avez dit, les chasses sont différentes d'un territoire à un autre. Il n'y a pas les mêmes sports pratiqués dans tous les territoires non plus. On a besoin de dialoguer et on a déjà une instance qui s'appelle la Commission départementale des espaces, des sites et des itinéraires, les DESI, c'est un terme un peu barbare, qui existe déjà. Aujourd'hui, les chasseurs ne sont pas forcément partenaires de ces DESI et je pense que ça serait intéressant qu'ils soient partie prenante de ces commissions pour pouvoir venir dialoguer avec les autres pratiquants de sport de nature. Nous préconiser ce dialogue aussi au travers des chartes, ce qui se pratique d'ailleurs dans l'Hérault, avec la Fédération de chasse de l'Hérault et la Fédération française de randonnée pédestre. Voilà, ces chartes qui sont signées entre les fédérations, où il y a des chartes de bonnes pratiques et de bons dialogues. Et ça, c'est aussi un outil qui peut être intéressant pour dialoguer. On l'a évoqué, il y a différentes pratiques, hein, l'équitation, les randonneurs, les vététistes, les quads et que sais-je encore. Ça s'est développé ça ces dernières années, vous l'avez constaté, vous, chasseurs, vous êtes entre guillemets de plus en plus nombreux dans les espaces naturels. Bien sûr, hein. Donc, c'est pour ça que ce dialogue est absolument nécessaire. Hein. Il est en train de se développer. Et il faut effectivement qu'il y ait un rapprochement donc, des fédérations avec les différentes fédérations ou associations départementales. Ça existe déjà et partout où le dialogue a été instauré, ça se passe bien. Ça nous permettra aussi au niveau de la chasse de démontrer que peut-être on n'utilise que 10 à 15% du territoire alors qu'on nous taxe d'utiliser 80% du territoire. Ce sera un moyen. Et alors, il y a d'autres moyens. Au-delà de ce dialogue indispensable, il y a peut-être une information à diffuser. Alors, il y a différents projets qui sont en cours, en particulier des applications qui permettraient donc à n'importe quelle association, en cliquant sur cette application, de savoir où sont les chasseurs sur ce territoire communal. C'est très simple. Et on s'apercevrait justement, et on arriverait à démontrer que c'est 10 à 15% du territoire. Après,
ponctuellement, lorsqu'il y a une manifestation qui est organisée, lorsqu'on nous le signale, ben nous, on répercute ça au niveau des associations concernées par les trajets, et puis tout se passe bien. On ne chasse pas ce jour-là dans ces secteurs. Une des mesures qui a fait beaucoup parler, évidemment, c'est l'interdiction de l'alcool lors de la chasse. On en est où ? Alors aujourd'hui, déjà, permettez-moi de vous dire que j'ai un peu regretté que le débat se focalise sur ça. Parce que nous n'avions pas du tout l'intention, avec le rapporteur Patrick Chaise, de stigmatiser une population et de stigmatiser les chasseurs sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le rapport. Si on a fait cette préconisation-là, c'est justement pour qu'on arrête de stigmatiser et qu'on en finisse vraiment avec le sketch des inconnus. C'est vrai, il faut le dire. Le bon et le mauvais chasseur. Et aujourd'hui, on a fait vraiment cette proposition pour qu'au moins les choses soient claires. Et qu'on dise, voilà, aujourd'hui, l'alcool, c'est pas une interdiction brutale, c'est un alignement de l'interdiction sur le permis de conduire. Ouais. Voilà. On y est, bien sûr, très, très favorable. Encore une fois, ça après, qui va vérifier ça, le garde champêtre, les policiers municipaux? Alors, la question est posée, effectivement. Ouais. Il va falloir... à l'époque, c'était l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui était chargé de surveiller donc, les chasseurs, les territoires. Là, aujourd'hui, l'OFB a vu son temps consacré donc, au contrôle fortement réduit. Donc, effectivement, il faut trouver une solution. Mais nous, on est très favorables à cette mesure. Comment voulez-vous qu'on soit contre ? Encore une fois, ça va nous permettre de démontrer que c'est une image qu'on traîne et au travers de laquelle on nous stigmatise, évidemment, qui est totalement fausse. Vos adhérents, quelles images ils ont du chasseur ? C'est très variable d'une personne à l'autre. Alors, il y a dans nos adhérents et dans nos professionnels des chasseurs. Des chasseurs aussi. Pas de souci. Alors, bien sûr que l'image passionnelle autour du cheval peut être opposée à l'idée de la chasse, mais on cohabite très bien. De toute façon, on n'est pas là pour savoir qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Aujourd'hui, c'est le droit républicain. On est là pour accepter l'autre. Donc, on navigue comme ça. Alors, ce que disait M. Sanson était tout à fait juste. Il faut structurer les pratiques et, au travers des échanges, croiser les pratiques et les informations. Au niveau de la Fédération française d'équitation, il y a déjà eu un événement là, qui se répète, qui est le Game Fair, donc, où la chasse se retrouve à la mode Beuvron, donc dans la Mecque de l'équitation. Oui, tout à fait, ce club, que dire, ouais. Je préciserai. Donc voilà, et puis dans les examens fédéraux, on aborde aussi le thème du sport en extérieur, de la manière dont on aborde l'extérieur, notamment avec les chasseurs. En 30 secondes, Maryse Carrère, pour marquer la fin de cette première partie, la priorité aujourd'hui, c'est quoi selon vous pour sécuriser ? Le dialogue. Le dialogue et le respect des règles élémentaires de sécurité. Aujourd'hui, 90% des accidents de chasse sont liés à un non-respect par le chasseur lui-même des règles de sécurité, que ce soit les angles de 30 degrés, que ce soit... Voilà, ça c'est essentiel. Merci à vous trois d'ores et déjà de nous avoir livré votre expertise et vos points de vue. Mais l'heure tourne chez nous et chez nous aussi, le règlement, c'est le règlement. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs sur votre chaîne régionale, l'information de proximité se poursuit. Certains d'entre vous ont rendez-vous à leurs éditions locales. Les autres restent avec nous. Ça passe vite. Alors aujourd'hui a eu lieu, on l'a dit, le procès dans le Lot du chasseur qui a abattu accidentellement Morgan Keane. Alors comment faire cohabiter chasseurs et non-chasseurs dans nos espaces naturels ? Karine Pella, bonsoir. Bonsoir. Alors, si on a jugé aujourd'hui le tireur qui a abattu Morgan Keane dans le Lot, cet accident de chasse n'est hélas pas le premier dans notre région. Ni le premier ni le dernier, Patrick, sur la saison de chasse 2021-2022, il y a eu en France 90 accidents, dont 8 mortels. Deux de ces victimes étaient non-chasseurs, c'est le cas de Mélodie, souvenez-vous, une jeune randonneuse de 25 ans, aveyronnaise. Elle a été tuée d'une balle perdue lors d'une battue au sanglier, c'était en février dernier dans le Cantal. L'auteur, une jeune chasseuse de 17 ans, a depuis été mise en examen. Mais les premières victimes de la chasse, ce sont les chasseurs eux-mêmes. Ils représentent
80% des victimes. D'une façon générale, ces accidents mortels sont en très nette baisse depuis une vingtaine d'années. À la fin des années 90, on comptait une trentaine de morts par an. Qu'est-ce que la justice répond dans ces cas-là ? Alors, deux exemples. En 2017, dans l'Aveyron, une affaire qui avait suscité beaucoup d'émotions, c'est cette retraitée qui avait été tuée dans son jardin par un chasseur qui l'avait prise pour un cervidé. Il a été condamné à un an de prison avec sursis. En Ariège, c'est une peine de 18 mois de prison avec sursis qui avait été requise contre un chasseur qui avait tué un compagnon de chasse. Il a depuis été blanchi. En résumé, la justice prononce le plus souvent des peines avec sursis, car dans la plupart des cas d'accidents de chasse, c'est l'homicide involontaire qui est retenu. Merci Karine Pella. Et on va poursuivre et terminer évidemment cette discussion. Et je me retourne vers vous Jean-Pierre Sanson, au niveau de la sécurité et de la formation, est-ce que ça évolue au niveau des chasseurs ? Oui, bien sûr, ça évolue. Hein. Et, la loi chasse de juillet 2019 donc, a rendu obligatoire une remise à niveau en matière de sécurité. Remise à niveau pour tous les chasseurs. Voilà. Donc, à côté de ça, les fédérations s'investissent dans une formation spécifique, formation des directeurs de chasse ou chefs de battue, selon comment on les appelle, mais également président et chef de ligne. Il faut absolument, comme le disait Madame la sénatrice, 90% des accidents sont liés au non-respect des règles de base. Il n'y en a pas 50 de règles de base, hein. Il y a trois règles essentielles. Le non-déplacement du poste, l'identification, bien sûr, du gibier. On a vu que c'est à l'origine. Et le respect de l'angle de tir. Si on arrive à faire respecter ces règles de base, effectivement, on va diminuer les accidents d'une façon considérable. J'ai pu assister à une session de formation des chefs de battue. Alors, dans les Hautes-Pyrénées, cette formation a été rendue obligatoire pour les chefs de battue, mais du coup, elle a été aussi généralisée à tous les chasseurs, parce que la formation à laquelle j'ai participé, ou que je suis allée voir dans mon canton, c'est une formation où tous les chasseurs étaient là. Ce n'est pas uniquement que les chefs de ligne. Cette formation, elle dure 3 heures de temps, elle est vraiment axée uniquement sur la sécurité, tout comme le permis de chasser en France aussi, qui est très axé sur la sécurité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut généraliser ces bonnes pratiques, notamment cette obligation de formation de chef de battue, qui est essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas pratiqué dans toutes les fédérations. Nous, on a préconisé de la généraliser. La relève, elle est mobilisée, sensibilisée là-dessus aussi, parce qu'on l'a vu, il y a des jeunes pratiquants aussi qui arrivent. Absolument. Hein. D'ailleurs, le permis de chasse aujourd'hui, 80% de la formation, c'est sur la sécurité. Hein. Après, effectivement, il y a des formations théoriques. Donc, sur les espèces, donc sur le maniement des armes, etc. Mais l'essentiel, c'est la sécurité. Hein. Et le partage du territoire, Jacob Bougros, on l'a bien compris. Complètement, bien sûr. Ouais. On puisse aller, nous, en extérieur. Enfin, nous, la problématique avec les chevaux, avec les chevaux et les poneys, au-delà du danger du chasseur, ouais, c'est le bruit. Nos publics sont aussi des scolaires, sont aussi des handicapés, sont aussi des gens qui montent des fois pour la première fois à cheval. On l'a vu en Camargue, des fois, ils vont monter pour la première fois. D'où l'importance de bien localiser la zone. On est quand même sur des chevaux qui sont adaptés, mais qui peuvent quand même avoir des réactions et des fois même des effets troupeaux. Bien donc on est dérangé, enfin on s'y prépare, mais ceci dit, c'est quand même pas récurrent non plus. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir permis d'instaurer aussi ce dialogue. Hein. On voit bien qu'il existe. On va suivre évidemment ce dossier. Le procès, lui, lié au drame de Morgan Keane, donc, a eu lieu aujourd'hui. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 12 janvier prochain. Et en attendant, on l'a dit, il faudra continuer à cohabiter dans nos forêts et espaces naturels. Demain, le 18h30 accueille le dessinateur de BD Paul Coé. D'ici là, la météo suivie de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.
Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. De prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. De nous jeter à l'eau. Avec nos 5500 conseillers passionnés, libérons la culture. FNAC. Bonsoir. Quand le coup de crayon et l'humour deviennent des armes de destruction massive contre les idées nauséabondes, ça peut parfois donner des BD très agréables à lire. Et que ces histoires soient amenées par trois héros septuagénaires n'affadit pas la chose, bien au contraire, il fallait juste les rendre suffisamment énervés. Un défi à la hauteur du dessinateur et coloriste de BD toulousain Paul Coé, qui passe quelques minutes avec nous cette semaine. Et puis son nom, sniper de la plume et du dessin, Nicolas Albran et Manu Watt, nous accompagneront aussi. Bonsoir messieurs. Paul Coé, bonsoir. Bonsoir. Alors, bien installé ? Très bien. Ça vous arrive de dessiner dans les bars ou pas forcément ? Non, jamais. Mais vous allez voir, Watt, lui, il en fait quelques-uns, vous y aurez droit ce soir. Comment expliquer que la BD fonctionne toujours aussi bien, finalement ? La BD en général ? Ouais. Bah, ça fait bien 15 ans qu'elle est revenue sur le devant de la scène, hein, c'est vrai. Il y a une explosion. Quelqu'un qui dirait maintenant que la BD, ça n'intéresse pas, c'est faux, parce qu'il y a une telle variété, une telle diversité de thèmes abordés par les autrices, par les auteurs maintenant, qu'on peut tout trouver. C'est un média qui a une liberté totale, en fait. On peut faire ce qu'on veut. Et on trouve vraiment du documentaire, de la BD sociale, de la BD politique, de la BD humoristique. Enfin, il y a vraiment tous les thèmes. Vous-même, vous avez parcouru pas mal de styles, hein, l'heroic fantasy, le style, on va dire, aujourd'hui plus classique, mais vous avez essayé de... Le space opéra gitanesque, ouais. On va oui, dire. Oui, tout à fait, ouais, ouais, avec les gitans de l'espace. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile de percer aujourd'hui en BD ou pas ? Alors là, les jeunes qui nous regarderaient, qui rêveraient de faire de la BD. J'aurais du mal à dire pour le moment actuel, parce que moi, c'était il y a 20 ans. Quoi. J'ai eu la chance à l'époque avec Guillaume Cavril, scénariste de ma première série, Aster. Aster. On a signé assez vite. On faisait partie d'une génération... on est rentré dans le wagon, on va dire, avec beaucoup de jeunes auteurs qui étaient un peu dans ces mêmes thèmes, dans ces mêmes univers. Beaucoup aux éditions Delcourt, d'ailleurs, c'était notre éditeur à l'époque, et qui nous ont donné la chance, en fait, de percer. Et puis, on a appris, parce que moi, je suis autodidacte, donc, en fait, j'ai appris sur le tas en faisant album après album, en essayant de m'améliorer. Alors, il y a eu, vous l'avez dit, hein, deux sagas, Aster, et puis il y a eu l'honneur d'Edzarom, hein, les gitans de l'espace. On va parler à présent des Vieux Fourneaux, dont le 7e opus vient de sortir. Prendre trois septuagénaires comme héros, c'était quand même un défi. Eh oui, mais c'est ce qui nous plaisait, en fait, surtout dans le projet, quoi. C'est, en fait, prendre des personnages principaux qui sont de la génération de nos grands-parents, donc nés dans les années 30, qui ont été enfants pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu les 30 glorieuses après, et le bouleversement technologique et sociétal.